Pendant de nombreuses années, Laurent Delahousse a été marié à la journaliste Florence Kiefer, avec qui il a eu deux filles, Liv-Hélène et Sacha, nées en 2005 et 2008. Mais en 2012, il a eu un véritable coup de foudre pour Alice Taglioni lors d'une interview sur France 2. Venu faire la promo de son film Paris Manhattan, l'actrice et le présentateur tombent immédiatement sous le charme. Dès lors, Laurent Delahousse commence à songer à un divorce avec son épouse. D'abord ami avec Alice, il devine rapidement que de réels sentiments naissent entre eux. Une histoire qu'il n'est pas prêt à laisser tomber et pour laquelle il va se battre, quitte à se mettre sa famille à dos. Le divorce sera douloureux et on devine qu'il ne fut pas facile à annoncer du côté d'Amiens, dans sa famille où ces choses-là ne se font pas. Même si Alice s'intègre bien dans sa nouvelle belle famille. Et après un divorce prononcé en 2013, Laurent Delahousse officialise avec Alice Taglioni en 2014. Depuis, le journaliste est devenu papa de Swan, né le 7 février 2016, et de Lino, né en 2019.